C'est un scandale en eau trouble révélé par la télévision publique danoise. Le Danemark aurait laissé la NSA, l'agence de renseignement américaine, se brancher sur ses câbles sous-marins dans lesquels transitent des communications téléphoniques et des connexions Internet. Entre 2012 et 2014, des hauts fonctionnaires et des dirigeants européens auraient été espionnés, à commencer par Angela Merkel. Réunis hier en sommet par écran interposé, la chancelière et le président Macron ont sommé le Danemark et les États-Unis de s'expliquer. Ce n'est pas acceptable entre alliés, de manière très claire. Je suis attaché aux liens de confiance qui unissent Européens et Américains, et il n'y a pas de place entre nous pour le soupçon. On savait que les États-Unis étaient capables d'espionner des dirigeants alliés. En 2013 déjà, Edward Snowden, un employé de la NSA devenu lanceur d'alerte, avait révélé que le portable d'Angela Merkel était sur écoute. L'espionnage entre amis, cela ne va pas du tout. La confiance doit être regagnée. À l'époque, Barack Obama avait fait une promesse. Tant que je serai président, Madame Merkel n'a pas à s'inquiéter. Depuis, les pratiques de la NSA ont-elles vraiment changé L'agence de renseignement est la plus puissante au monde. Les États-Unis collaborent avec quatre pays anglo-saxons et ont développé un partenariat privilégié en Europe avec le Danemark. Alors pourquoi les Américains espionnent-ils leurs alliés Que cherchent-ils à savoir Sont-ils vraiment les seuls à pratiquer l'espionnage entre amis Trois invités, pardonnez-moi. Hein. <laughs> François Delruy, bonsoir. On n'entend rien, mais vous êtes protégé par le plexiglas. François Delruy, vous êtes enseignant à Sciences Po, chercheur en cybergouvernance à l'université de Leiden, aux Pays-Bas. Votre livre Cyberopérations internationales, l'eau avec l'accent qu'il faut, est paru aux presses universitaires de Cambridge. Et selon vous, les États-Unis mènent des cyberattaques à but préventif avec leurs concurrents et adversaires, à l'inverse de la Chine. Leur but est davantage politique qu'économique. À côté de vous, Christine. Du clément vous êtes chercheuse au Think Tank Cap Europe et vous êtes également à la chaire Normes et Risques de l'Institut de l'IAE Paris-Sorbonne. C'est ça, c'est une business school, comme on dit en bon français. Oui, Selon vous, Christine Dugouin-Clément, malgré la confiance qui peut exister entre certaines alliances, il est bon de savoir où sont, où en sont vos partenaires. Ce type d'opération, donc l'espionnage, risque de devenir courant dans les années à venir. Et enfin, Fabrice Epelboin, bonsoir. Merci. Vous êtes enseignant, entrepreneur, spécialiste des médias sociaux vous estimez que l'espionnage est un outil à la disposition d'un état qui alimente la diplomatie l'espionnage donc les états unis cherchent ainsi à s'assurer que leurs vassaux se conduisent bien en vassaux ou leurs amis en amis ou leurs alliés en alliés les savoir on démarre ce débat avec une question d'un de nos internautes, Nadia. Un internaute passablement agacé, je vous lis sa question. Pourquoi, malgré les révélations, rien ne bouge et tout le monde s'étonne que les Américains continuent à espionner Fabrice Epelbon Les révélations d'Edward Snowden sur le, le vaste programme de surveillance de la NSA, c'était en 2013. Qu'est-ce qui a changé depuis euh, toutes ces années Rien, absolument rien. Euh, tout le monde s'étonne à chaque occasion. Je, je me souviens, de, il y a quelques années, de la loi Huawei, euh, et de journalistes qui se posaient sincèrement la question, euh, savoir si euh, on prenait Cisco plutôt que Huawei, on allait être surveillé. Huawei, que, le, le, le fabricant. Le fabricant de, de, de matériel, matériel, informatique matériel informatique chinois, qui, qui, a priori, ne va pas non plus gêner pour nous espionner. Mais l'idée que l'alternative américaine pourrait en être autrement paraissait tout à fait naturel comme question. Je crois qu'il y a un, euh, tout un tas d'informations qui arrivent régulièrement et qui ne sont pas intégrées par énormément de gens parce qu'elles nécessitent une remise en question de la façon dont ils voient le monde, notamment la géopolitique, mmh. avec cette façon assez française de voir les gentils, les méchants. Euh, la réalité, c'est qu'en géopolitique, il n'y a ni gentil et ni méchant c'est beaucoup plus euh, gris que mmh. cela. Et que les États-Unis ne sont pas du tout notre ami en matière de géopolitique. Leurs enjeux sont tout autres, leurs objectifs sont tout autres. Et qu'aujourd'hui, notamment dans la sphère technologique, nous avons été colonisés littéralement. Et qu'il est vraisemblablement, on est dans les derniers moments où il pourrait en être autrement. Mais d'ici quelques années, ça sera un état de fait sur lequel on ne pourra pas revenir. Alors, remontons à cette enquête. donc. Voilà, c'est notre chiffre du jour qui évoque le lieu du crime. 447, c'est le nombre de câbles géants qui parsèment le fond des océans et qui transportent, mon Dieu, nos télécommunications. Vous voyez, oui, ces câbles, hein. ils sont verts. vert. On remonte un petit peu vers le nord de la carte. En blanc, là-haut, c'est le Groenland. Si j'ai bien compris, aidez-moi François Delerue, c'est là-bas le lieu du crime. Expliquez-nous, comme si nous étions des enfants de 5 ans, comment les Américains se sont branchés sur un câble danois alors en réalité, les Américains ne se sont pas branchés sur un câble danois, mais ce qui s'est passé, c'est que les Danois, où mm -hmm. ces câbles arrivent, donc les câbles arrivent sur leur territoire, qu'il s'agisse du Groenland, mais aussi leur territoire continental en Europe, arrivent sur des points de connexion, et au sein de ces points de connexion, ils peuvent avoir un accès aux données. Après, le problème principal, c'est que quand vous voyez ces données, d'une part, on est sur une masse énorme. Juste, d'abord, il faut une autorisation pour se brancher. Les services secrets américains sont allés voir les Danois en disant Est-ce qu'on peut se brancher chez vous C'est aussi simple que ça en fait, À ce stade-là, c'était les services danois qui étaient branchés sur les câbles qui arrivaient sur leur territoire. Donc, c'est au sein de la législation danoise et au sein du fonctionnement danois. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'en regardant les données qui arrivaient, ils pouvaient contrôler les métadonnées, qui sont les données qui donnent l'information sur d'où vient cette donnée, où est-ce qu'elle va et quel peut être son contenu, sans forcément préciser exactement le contenu. Et ce n'est pas la, la même chose. Et à partir de là, ils ont stocké un certain nombre de données dans un data center dédié, mmh. un centre de données où on mmh. peut stocker des données. Et euh, comment Ils ont permis aux Américains, au sein de ce data center, de faire des recherches sur les métadonnées et sur des données précises. Christine gouin clément est-ce que les Danois sont des complices de la sévérité induite d'Emmanuel Macron Ou est-ce que ce sont des naïfs qui ont été abusés par les Américains Alors, c'est une bonne question. On l'a dit tout à l'heure dans les affaires de renseignement, il faut remonter déjà peut-être un petit peu plus loin, un petit peu plus loin dans l'histoire et dans le temps. Euh, donc, tout le monde connaît euh, Prism qui avait été donc dénoncé par Edward Snowden, comme ça a été dit. Prism était l'héritage euh, d'un programme plus ancien qui s'appelait Échelon, qui euh, remontait donc après la, après euh, pendant la. Les guerre années 40, 40. Voilà exactement. Donc, euh, pendant la guerre froide. Et puis, euh, il y a aussi un autre programme, qui est un programme de coopération internationale, qui s'appelle Rempart A, qui a pour but, en fin de compte, de travailler euh, avec des tiers sur un échange de bons procédés, quelque part. L'idée étant, euh, si nous avons accès à certaines des données qui transitent par euh, donc, les câbles, comme mm -hmm. vous l'avez dit, hein, qui euh, viennent, en échange, nous vous octroyons l'utilisation de certains outils technologiques permettant de. Euh, Traiter ces données. Euh, donc ça peut, ça peut faire donc, partie. C'est un échange de bons procédés en réalité Alors c'est un échange de bons procédés si l'on veut, tout cela est relativement euh, contractualisé et il y a euh, des petites clauses hein, notamment. Euh... Mais après, pardonnez-moi, il y a un moteur oui. de recherche, les Américains font une recherche SMS Merkel. Euh, pourquoi est-ce que Mme Merkel <laughs> ne communique pas par des SMS cryptés, Fabrice et Pellebois D'abord, parce que les Américains ont des méthodologies pour décrypter, déchiffrer, pour être mm -hmm. plus exact. Euh, ensuite, parce que nos dirigeants ne sont pas tout à fait au fait de ces technologies et ne savent Vous pas. dire nos dirigeants européens alors, je ne vais pas me prononcer sur les Allemands, mais en tout cas pour les Français, oui, très clairement. Mm -hmm. Il y a une, euh, un électronisme crasse hein, ah. dans la classe dirigeante police, française. Électronisme hein. ah, oui, oui, bah, oui, bah, oui. Typiquement, euh, François Hollande communiquait à tout va à base de SMS. Oui. Alors ça, il n'y a rien de plus facile que d'intercepter un SMS. Mm -hmm. Il suffit de louer un appartement à côté de l'Elysée et avec un dispositif à, qui coûte quelques dizaines de milliers d'euros, vous pouvez intercepter les SMS de François Hollande. Ce que, ce que d'ailleurs Manuel Valls lui remontait régulièrement. Mm. Euh, on, on a un électronisme qui nous a amené à cette perte totale de souveraineté point de vue technologique. Aujourd'hui, on en est quand même à essayer de vendre aux médias l'idée qu'un cloud souverain pourrait être fait avec Microsoft, qui est le premier partenaire historique de Prisme dont on parlait à l'instant. Donc, on, on en est dans ce bloubi-boulga de Novlang qui ne veut strictement rien dire, que tout est son contraire, avec quelque part une absence totale de réaction et des opposants politiques et des médias. Que cherchaient les Américains, François Delrue? Que cherchaient les Américains que non, non, hein. non pas dans les SMS d'Angela et Merkel, mais peut-être au-delà. Euh... Alors, je, ferai, juste, je rebondirai sur, sur le commentaire précédent et sur la question précédente, juste sur un point. Euh, à ce stade, l'info que nous n'avons pas, c'est quelles sont les données qui ont été accédées. Mm -hmm. Et ce sont deux choses importantes à voir. C'est que vous avez, donc ce que je disais, les métadonnées qui sont en gros l'enveloppe, et vous avez après le contenu. On ne sait pas si par exemple ils ont plus collecté des données qui appartenaient à Angela Merkel, mais qui pourraient être aussi chiffrées, puisqu'elle voyage quand même au niveau de, de l'adressage va être visible. Donc même si les, chiffres, les données sont chiffrées. Mais oui, on sait sont... à qui elle envoyait un message, on voilà, forcément message. ce qu'il y avait dans le message. Et le contenu n'a peut-être pas été accédé. Ça, ce sera une des choses qui devra être étudiée. Peut-être qu'on n'aura peut qu jamais la réponse. Sur votre question, alors c'est toujours la question pourquoi de l'espionnage, pourquoi les États s'espionnent, euh, c'est naturel, on va dire, de s'espionner entre concurrents, entre alliés, il y a aussi une dimension où justement l'espionnage permet un, un certain degré de réassurance, permet un certain degré de confirmer des informations. Par contre, la nouveauté, peut-être l'évolution qu'on a avec le cyber, c'est qu'aujourd'hui, avec les, les, les technologies numériques, c'est une capacité de surveillance qui est très importante. On voit aujourd'hui la capacité de surveiller des dirigeants européens. Euh, et c'est ce qui pose plus de questions et qui peut-être pose aussi des questions dans une relation de confiance entre les différents États. Mmh. On va s'intéresser à travers le rayon X de Thibault à M. Burns, William Burns. Il est le nouveau patron, non pas de la NSA, mais de la CIA. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher William Burns, j'ai vos radios sous les yeux, c'est top secret. Vous êtes le nouveau patron de la CIA, l'agence d'espionnage extérieur américaine. Joe Biden vous a choisi parce que vous n'êtes pas lié aux prisons secrètes ni au waterboarding de la guerre contre le terrorisme. Pas plus que vous n'êtes un ex-troufion bigot du Kansas reconverti dans l'aéronautique et le pétrole, comme vos prédécesseurs adoubés par Trump. Joe m'a choisi pour cette super moustache laser X-358. Vous êtes diplomate de carrière, 33 ans au service de la parole américaine de Reagan à Obama, dont vous étiez le ministre adjoint des Affaires étrangères. Vous parlez français comme tout le monde dans cette administration semble-t-il, ainsi qu'arabe et russe appris quand vous étiez ambassadeur en Jordanie et en Russie. Un souvenir radieux. Putin, in my experience is kind of an apostle of payback. Um, he's a combustible combination of grievance and ambition and insecurity. Des types imbuvables, vous en avez sifflé jusqu'à la Parfois en mission secrète, même bien avant votre arrivée à l'anglais, pour dissuader Tripoli de s'offrir des armes de destruction massive ou Téhéran de se bricoler une bombe A. Vous êtes l'un des parrains de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, finalement vitrifié par Trump. En 2014, jeune retraité diplomatique, vous avez rejoint la Fondation Carnegie pour la paix internationale. Même si votre idée de la justice pourrait surprendre les pacifistes de métier. « I was privileged to be in the White House Situation Room when CIA's brilliant work helped bring Osama bin Laden to justice. » Fils de général, né à Fort Bragg, base de 57 000 personnels militaires, vous régnez désormais sur 100 000 fonctionnaires espions, dont un paquet de barbouzes et un vilain historique de black ops et de pratiques de voyous. La pire n'étant pas l'écoute de Madame Merkel. On ne pouvait lui laisser un tel avantage tactique sur le cartoffel pouffer aux oignons, mon cher Bill un honnête homme peut-il exercer un métier malhonnête Merci Thibault Claude. Mais est-ce que c'est un métier malhonnête, Christine Dugoin Clément On voit avec le profil du patron de la CIA, c'est un profil politique. Est-ce qu'il y a une autonomie des espions qui font leur tambouille entre eux, sans trop prévenir les dirigeants, ou est-ce que c'est un outil totalement intégré à la gouvernance, notamment américaine alors, il y a plusieurs choses dans l'espionnage. Il y a tout ce qui va être du ressort militaire, quelque part, mais il y a un volet euh, qu'il serait, à mon avis, déraisonnable de négliger, c'est tout ce qui touche à la, aux pratiques industrielles et commerciales. Or, à l'heure actuelle, quand on va faire de l'écoute, ça permet aussi de connaître alors euh, non seulement des brevets, euh, des positions concurrentielles d'adversaires. La propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, de savoir sur euh, quels euh, que, sont les, les RD en cours, si vous voulez, la recherche et le développement, pour pouvoir éventuellement se positionner sur ces champs-là. Je vous demande, avoir... pardon, la oui. NSA et la CIA espionneraient aussi en matière industrielle Bien sûr. Alors. Oui. Bien sûr, d'accord. Voilà. <laughs> voilà. Sûr. Et c'est quelque chose qui est assez, qui est assez important d'avoir de garder en tête. Et ce sont des pratiques qui sont relativement anciennes. On pourrait se rappeler de différentes affaires d'écoute qui avaient touché notamment des membres du gouvernement français alors qu'il y avait des négociations de marchés pour matériel militaire. Or ces marchés avaient un double intérêt géopolitique parce que vous allez vendre des armes à qui, dans quel contexte, comment vont-ils les utiliser Bon, ça c'est ce que l'on peut voir dans une vision quelque part j'allais dire, euh, de relations internationales avec une, une approche pacifique euh, et pacifiée, mmh. fort bien. La deuxième étant de dire que plus vous allez pouvoir vendre de la haute technologie, plus vous allez rentrer donc des moyens au niveau de votre État, vous allez garder une autonomie technologique euh, qui va limiter que vous soyez inféodé à une autre structure et qui va vous garantir euh, une... Position en propre et une capacité de projection de puissance aussi. Donc il y a tout ce volet-là qu'il serait, à mon avis, déraisonnable de négliger dans les opérations d'écoute. Euh, on parle notamment, alors en intelligence économique, on ne parlera pas de renseignements euh, sombres, si vous voulez. On va être sur ce que l'on appelle de l'open source, hein, c'est-à-dire des informations blanches. Euh, mais tout le monde n'est pas obligé de respecter cette règle d'éthique. Quand on va vouloir mettre en place ce genre de pratique. Et quand on parlait notamment mmh. euh, d'échelon ou de prisme, certains de ces éléments pouvaient euh, être transmis et permettre de là euh, ce qu'on appelle aimablement euh, de la diplomatie économique. Alors Fabrice ah. Epelboing évoquait l'électronisme navrant et attendrissant presque de nos dirigeants français. Faites-nous écouter Clément Beaune. Qui est un jeune homme moderne, mais également le secrétaire d'État français chargé des mmh. affaires européennes. On avait entendu tout à l'heure euh, la sévérité euh, d'Emmanuel Macron. Vous allez voir que chez nos amis de France Info, son secrétaire d'État était, on va dire, un peu plus coulant. On a une coopération qui marche dans les deux sens. Ce n'est pas parce que les Américains, bien sûr, ont des moyens d'écoute et de renseignement plus puissants que ceux de la plupart de leurs alliés européens qu'ils n'ont pas aussi besoin de nous. Donc je crois que pour que ça fonctionne, il faut créer un climat de confiance. Et les Américains ont vraiment besoin qu'on leur fournisse un certain nombre de renseignements de coopération. Ça nous aide aussi. Donc si on était dans un climat qui n'est pas un climat de confiance et qui n'est pas un climat de bonne coopération, je crois que ce serait dommageable pour les Américains aussi. On n'est pas sans moyens. Fabrice, Fabrice est-ce que c'est vrai que nous ne sommes pas sans moyens Est-ce que de temps en temps, les Américains qui sont une puissance colonisatrice, dites-vous, ils ont quand même besoin un peu de nous. Est-ce qu'on a de bons espions pour ah eux Nous sommes aussi une ancienne grande puissance colonisatrice. Mmh. Pour reprendre la, la carte des câbles que vous montriez au début de l'émission, mmh. euh, bon nombre de ces câbles, notamment ceux qui irriguent l'Afrique de l'Ouest et le Moyen-Orient, appartiennent à la France. Et pour Là, écouter voici. ces zones-là, euh, oui, sur, sur ces câbles, la, la plupart de ceux qui longent la côte ouest africaine et beaucoup de ceux qui vont irriguer le Moyen-Orient, tout ça, ça nous appartient. Et pour écouter tout ce petit monde, bah, il faut passer par la France. Donc effectivement, ça nous donne des moyens. D'échanger des renseignements, mais au milieu de ça, c'est plutôt du renseignement qui est de l'ordre géopolitique, politique, militaire. C'est de la défense C'est de la défense ou de l'attaque, euh, mais ça n'est pas ce qu'évoquait ma collègue, euh, du renseignement économique. Mmh. Alors, le gros problème aujourd'hui, c'est le pillage économique. Ce on... qui grignote notre indépendance. Oh, c'est plus que du grignotage, hein, c'est une orgie. Euh, Il... Alors, <laughs> je vous, rappelle, je vous rappelle, hein, le rappelle, le gouvernement a annoncé un cloud souverain avec Microsoft. Donc, très concrètement, on est en train de vous expliquer que la souveraineté. Consiste le cloud, c'est des données informatiques qui flottent c est, c est cette image notre tête, mais en réalité dans on des grands dit, data centers. C'est un oxymore, souveraineté Alors, et cloud avec Microsoft. Souveraineté Microsoft, c'est oui, un oxymore total. Malgré tout, mmh. personne n'a relevé cet oxymore mmh. et mmh. on est en train de se faire piller mmh. de façon catastrophique sans que ça n'inquiète personne. Mmh. Très concrètement, derrière ces technologies de cloud, on a un transfert de valeur spectaculaire. Ouais. Et ce transfert de valeur, ça ne vous aurait pas échappé, va vers les GAFA. Il suffit de. de Regarder leur cours de grands groupes d'internet. Donc très concrètement, c'est ce qui est en train de se passer, une espèce d'aspiration de la valeur créée par l'Europe et de la valeur que ouais. l'Europe pourra créer demain vers les technologies Quel, américaines. Quelle parade a-t-on, François Delruy, face à ce pillage, face à cette, ce, 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 cette situation que nous expose, c'est euh, pas bois Alors. Il y, a, il y a plusieurs questions. Alors je pense que ce qui est important de rappeler sur justement la, la question du cloud, c'est que justement le cloud repose sur des infrastructures physiques qui sont localisées sur le territoire. On voit les câbles, on voit les data centers qu'on a évoqués. C'est justement tout cet enjeu et c'est ce que montre cet exemple. C'est que les données transitant par des câbles, elles peuvent être captées à certains mmh. points. Donc le débat aujourd'hui, et c'est le débat sur le cloud souverain, c'était le débat justement de la relocalisation d'un certain nombre de données ou en tout cas d'avoir des contraintes de ce côté-là. C'est possiblement une manière de, de contrainte. Une manière de, de sécurisation, pardon. Mmh. L'autre élément, c'est aussi, bah, c'est ce qu'on évoquait, c'est la question, est-ce que les données qui ont transité, qui ont été interceptées, étaient-elles chiffrées ou pas Et donc, c'est avoir peut-être des meilleurs chiffrements, des chiffrements en place sur un certain nombre de communications. Ce qui veut dire que même si la communication est interceptée, même si les données sont interceptées, elles ne pourront pas être lues. Mmh. Donc ça, c'est aussi un élément qui peut, Très bien. qui peut contribuer à une meilleure sécurisation. Alors Nadia, vous allez nous révéler ce qu'est Five Eyes, une association, un pacte que l'on découvre à la faveur de cette affaire une certaine ouais, façon, Enfin, oui, nous autres Beauciens. Oui, mais vous, vous êtes un spécialiste. Le, le nom est assez mystérieux. C'est euh, le nom d'un groupe d'une alliance qui rassemble les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et le Canada, qui est donc baptisé Five Eyes. Ce sont cinq pays qui ont conclu un pacte, une sorte de pacte de non-agression, de non-espionnage mutuel, qui remonte à la guerre froide. Vous en parliez. Ça a également donné naissance à ce fameux euh, programme qui s'appelle Echelon. Ce qu'on sait surtout, c'est qu'en 2013, l'ancien consultant de la NSA, Edward Snowden, avait décrit ces Five Eyes, ces cinq yeux. Mm -hmm. donc, comme une agence de renseignement supranationale qui ne répond pas aux lois de ses pays membres. Euh, C'est également Edward Snowden qui avait révélé que la France, alors qu'elle ne fait officiellement pas partie de ce Club des Cinq, avait de son côté conclu un accord secret sous le nom, du code, sous le nom de code pardon, Lustre pour être donc elle aussi actrice de ce programme de coopération entre les services. Elle n'est pas la seule. Dans les membres non officiels des Five Eyes, on trouverait également Israël sous le nom de code Ruffle ou encore la Suède sous le nom de code Sardine. Christine Duguin-Clément, aidez-nous à comprendre à quoi sert. Ces accords, ces alliances, si tout le monde les piétine Disons que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, la connaissance, mm -hmm. l'information, c'est la capacité de maîtriser et d'anticiper mm -hmm. euh, l'environnement. Alors, on a parlé d'un point de vue militaire, on a parlé. Mm -hmm. voilà. euh, or, vous allez toujours vouloir sonner, connaître plus sur les autres qu'ils ne savent sur vous, garder un petit peu votre précaré pour garder votre capacité d'initiative et d'action. Donc, d'où l'intérêt de. D'avoir toujours un petit doute sur ce que vos alliés vont vous dire mmh. ou ne vont mmh. pas vous dire. Euh, quand vous avez une structure euh, comme les Five Eyes euh, qui fonctionne, qui fonctionne depuis longtemps, à très grosse échelle, mmh. il est toujours tentant d'essayer de pouvoir venir. Par ailleurs, tout aussi puissantes qu'ils soient, parfois ils ont besoin d'avoir des accords de coopération. Ça a été dit notamment avec la France ou pour d'autres cas, pour, pour, avec d'autres États. Donc, Donc ils il va y courtisées. avoir. Ce groupe est très courtisé par d'autres pays. Oui, mais ils peuvent avoir des liens. besoins également oui. aussi, ah, oui, puisque, mais aussi. Euh, vous savez, parfois le lion a aussi besoin de la souris. Ouais, ouais. Euh, et il, il va y avoir des nécessités, si vous voulez, de faire des okay. accords, alors qui vont euh, définir un petit peu sur quoi, dans quel sens, dans quelle mesure. Et on va parler, mm. euh, par exemple, vous parliez des, des Five Eyes, euh, quand vous allez aux États-Unis, on parle des, euh, on parle de différents niveaux, hein, de, de seconde part et de, de troisième partie, okay. qui sont sur des niveaux de coopération mm. différents. Et ceux dont vous avez euh, cité le nom et d'autres pour mm. être sur les Exactement. tripartites. La troisième une partie. question, Claude. François Delruche fait appel à votre regard européen puisque vous êtes d'univers néerlandaise notamment. Est-ce qu'il y a une possibilité d'instaurer un ordre juridique, une coopération, un multilatéralisme, y compris en matière cyber, comme il existe en matière diplomatique Il existe aujourd'hui cette coopération. Euh, D'une part, la, la coopération qui est en place en dehors du cyberespace, on va dire, s'applique aussi dans le cyberespace, mmh. que ce soit le droit international, donc c'était l'objet notamment de, de mon livre, mais c'est de manière générale aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. La semaine dernière, les États... Euh, des Nations Unies sont tombées d'accord sur un rapport sur ces questions-là, notamment. Et il y a toute une, une dynamique diplomatique qui est en place. Après, c'est exactement la même chose que dans le monde réel, dirons-nous. Mmh. Il y a des accords, il y a des discussions. Ça ne veut pas forcément dire que les acteurs n'ont pas aussi d'autres enjeux, d'autres intérêts mmh. et qu'ils vont forcément mmh. suivre le discours diplomatique. Donc, c'est. Oui, il y a un cadre qui se met en place et aujourd'hui, par contre, pour, pour conclure sur votre, mm -hmm. votre question, un élément intéressant, c'est de voir que l'Union européenne se place de plus en plus comme un acteur moteur et prend ah. conscience à la fois de ses faiblesses, mais surtout de ses forces et de sa capacité en fait, d'imposer aujourd'hui le droit européen à travers un certain nombre d'outils euh, sur notamment les GAFAM qui sont des entreprises américaines et non pas des entreprises européennes. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.